Extrudeur suite, donc là on a fini de monter la partie qui attire le fil. Donc vous voyez que si on tourne la poulie, le bras, donc le fil déroule. On est à peu près OK. Simplement mentionner, maintenant on connaît le mécanisme, hein, donc on a vu les roulements à billes, comment ils étaient faits pour s'enchaîner les uns les autres. Et on mentionnera l'existence de ces ressorts qui ont pour but en fait d'adapter la pression du roulement à billes de gauche selon l'épaisseur du filament qu'il s'agit de faire passer. Voilà.